êtes là? Vous m'entendez? Alice. Enfin. 5 sur 5, Alice. Tu vas bien? Ça va. On n'a pas beaucoup de temps. Je vous ai trouvé un hélicoptère. Rendez-vous sur le Bund. Vous pourrez y arriver? On y sera. On a combien de temps? Ça va être serré. Il y a beaucoup d'activités ennemies dans la zone et le pilote est un peu nerveux. Allez-y et soyez prudents. Je te jure, mon vieux, cette soirée m'a vraiment épuisé. Merde, et moi qui espérais que t'allais me porter jusqu'à l'hélico. Le point d'extraction est au bout de la promenade. Tenez bon, les gars. Vous y êtes presque. Il te reste encore un peu de jus, Salem? J'imagine qu'on va bientôt le savoir. Tu l'as dit. Bon, on a trouvé la rivière. On doit plus être très loin. Descends-les! Il faut pas qu'ils appellent des renforts!
J'espère qu'ils font pas de fouilles au corps. Je suis salement touché. Ça prendra qu'une seconde. Aide-moi, mon vieux! Quelle merde! Il faut qu'on traverse ça! Ouais, et c'est pas tout. Il y a un canon de DCA sur le bateau. L'hélico pourra pas se poser s'il est actif. Il faut que vous le neutralisiez. On pourrait le faire sauter! On va s'en charger, Alice! Salem, allons voir cette grue! Vous avez tous participé à un moment particulier de notre histoire. Et je vous en remercie. Nous avons vu pour vous la vraie nature de notre civilisation. Vous pouvez quitter Shanghai, mais n'oubliez pas ce que vous avez vu ici. Plus que de simples témoins, vous avez vu des amours. Je vois cette rue. Ouais. Il charge des munitions sur le bateau. Fais-moi péter ce truc-là, et je fais ma tournée dans le premier bar qu'on trouve à condition qu'ils soient en dehors de Shanghai. J'adore ta façon de penser, Thais. Thank you.
Avancez!
Viens m'aider par ici. Thais!
celui qui va rester à bord comme du bus. C'est la fin. J'ai toujours pensé qu'on mourrait l'arme au poing. Et pas planqué au fond d'un trou à rats près d'une rivière. C'est déjà bien qu'on soit arrivé jusque-là. Salem ? Je vais me le faire. Qui ça ? Jonah. Je n'aurai besoin que d'une seule balle. Ok, je te suis. Installe son QG dans un temple. Et alors ? Je sais pas. Choisirais plutôt un club de striptease. Civil qui était à l'hôpital. Faudra remercier Wu si on sort d'ici vivant. Premier coup de chance de la nuit. Un coup de chance en appelle peut-être un autre. Thank you.
Qu'on touche au but. Je dois pouvoir tenir encore un moment. Je serai pas arrivé la fin. Allez, au boulot. Bon sang.
On l'a perdu. Je lui tire. Je vous couvre. Sont de notre côté.
l'action. Allez, allez. Je m'en vais. J'en bois. Attention, grenade. Je vous couvre. Avancez. On y est presque. Ça se complique. On doit être tout prêt. Montons ces escaliers. Mets le paquet, Salem. Ça commence à se compliquer, Rios. Dans l'antre de la bête, on doit se rapprocher de ce fameux Jonah. Je suis en place. Grenade. Ça se complique. On doit être tout prêt. Montons ces escaliers. Mets le paquet, Salem. Ça commence à se compliquer, Rios. Dans l'antre de la bête, on doit se rapprocher de ce fameux Jonah. Grenade envoyée. À couvert.
c'est bon. Viens par ici. Je suis parti. Mitrailleuse, droit devant. Oh!
Ceci est le détonateur d'une bombe nucléaire placée au cœur de cette ville. Je lâche ça et 7 millions d'innocents meurent. Connerie ! Alors tuez-moi. Je me demande si vous serez aussi sûr de vous avec le sang de 7 millions de gens sur les mains. Salem, on fait quoi ? Vous avez vu comment se comportent les gens dans la société dans laquelle nous vivons ? Des animaux, des bêtes. Enlevez-leur le gouvernement, ses lois. Et les gens ne sont que des bêtes. Une bande d'animaux, égoïstes et ignorants. Mais de quoi est-ce que vous nous parlez ? Je vous parle d'honneur, de sacrifice, de choses que vous ne connaissez pas. Je lâche le détonateur et 7 millions de gens meurent. Sauf contre-ordre, mes hommes continuent à exécuter des civils. Vous êtes impuissants, mais si l'un de vous fait preuve d'esprit de sacrifice, je transmets l'ordre d'évacuation. Nous partons et je désamorce la bombe. Quel sacrifice ? De quoi est-ce que vous parlez ? Si l'un de vous a le courage de tuer l'autre, sacrifiez votre ami pour le bien de tous, et je tiendrai parole. Abattez l'autre, tuez votre ami, et tout sera fini. Vous êtes un malade. Vous avez 10 secondes. 10 secondes où c'est moi qui décide pour vous. Fait, Rios. Tu penses qu'il prévoyait vraiment de détruire d'autres villes ? Je sais pas. Jonah avertit les habitants de Ninive que Dieu anéantirait la ville dans 40 jours. Alors le peuple se repentit et Dieu décida d'épargner la ville. C'est ce qui est écrit. Mais les gens n'ont pas changé et les villes n'ont pas été sauvées. Et nous nous exposons à son courroux. Car il est écrit : à moi la vengeance. À moi la rétribution.